Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour une vidéo, tout d'abord excusez-moi s'il y a beaucoup de vidéos de suite comme ça, c'est juste que j'ai qu'un seul moment pour les poster. Le moment où je vais poster cette vidéo, ça sera le moment où je vais poster également une autre, mais avant. Donc aujourd'hui ça sera un peu mes petits achats, j'en ai fait 3 en fait. Un pour ma maman qui est en portugais, vous ne comprendrez rien, du coup je vais vous traduire. Et un, c'est du slime, c'est vraiment trop bien. Et un autre, c'est une petite pochette pour mettre de l'argent. C'est un espèce de petit porte-monnaie. Tu peux mettre de l'argent, tout simplement des bonbons ou tout ce que tu veux à l'intérieur quand tu vas à l'école ou quand tu sors, tout simplement. Du coup, même quand tu es en cours, tu peux prendre quelques petits bonbons dans ton sac. C'est vraiment trop bien en fait. En plus, c'est un porte-clés. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'espère que la vidéo va durer entre les 5 et 10 minutes. Mais je vous promets rien parce qu'à chaque fois que je dis des conneries au niveau des 10 minutes, que ça va durer la vidéo. Et du coup là j'ai fait un espèce de petit décor avec mes pet shops. J'ai 5 parce que j'ai que ramené mes pet shops gourmands. Je pensais pas que j'allais avoir ce bateau et que je pouvais ramener plein de pet shops G5 pour après faire un espèce de petit décor. Du coup j'ai fait ça un peu. Vous voyez, j'ai fait ça. Excusez-moi s'il y a des bruits de fond. Vraiment, désolé. Donc je trouve que ça c'est cute. Bon, c'est pas la mort. Après, il y a le petit chat là-dedans que je vais pas réussir à vous montrer. Mais je vais essayer de mettre comme ça pour qu'on voit un peu le chat dans les toilettes. Mais du coup, c'est vraiment un peu cute. Enfin, je trouve. Du coup, je donne vraiment ma main comme ça pour qu'on voit tout. Parce qu'après, si je fais comme ça, on voit pas les trucs derrière. Et si je fais comme ça, on voit tout. Sauf qu'on voit pas très bien les trucs ici en haut. Donc il faut que je zoome sur ce LPS. Du coup on voit pas les trucs en haut, mais ça c'est pas grave. Commençons tout de suite la vidéo. C'est parti. J'ai écarté un peu parce que j'aurais pas de place. Surtout le truc pour ma mère que j'ai acheté parce que quand même ça fait... Je suis restée 2 mois sans elle. Enfin je vais rester 2 mois sans elle. À cause des vacances, ce que vous voyez là, l'ombre, c'est pour ma mère. May. Ça veut dire maman, enfin mère, plutôt mère, ça veut dire mère, en portugais. Donc je vais vous le dire, ceux qui lisent en portugais, ceux qui savent lire en portugais et qui sont portugais, je vous laisse mettre en pause maintenant. Sinon, je vais vous traduire. Alors, diplôme. Tu sais qui est ? Tu sais que t'es la meilleure mère au monde. Et que l'argent... Et que tu devrais recevoir une montagne d'or. Mais attends, mais patience. La monnaie n'a pas marché pour plus. Qui sait pour la prochaine année que l'argent monte et que le cadeau aussi. Un gros bisou, la maman la plus mignonne du monde. Je t'aime beaucoup, maman. Donc c'est vraiment trop mignon. J'ai adoré quand j'ai vu plusieurs trucs, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai pas du tout voulu changer. C'est juste trop mignon. J'ai acheté tous ces trucs que je vous ai montrés chez les Chinois. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs jolis. Il y avait des poupées LOL, il y avait des fausses poupées LOL, des petites et des grands animaux. Les animaux ils ressemblaient plus à des poupées genre normales que à des animaux. Les petites elles étaient pas du tout réalistes. Et les cartes Pokémon j'en ai regardé une. J'allais en prendre une pour voir si elle était fausse, pour voir si les autres ils allaient dire qu'elle était fausse et tout. Mais après je me suis dit c'est vraiment des fausses, je vais pas en prendre. Et aussi c'est mal de prendre des cartes comme ça. Et du coup la dame elle m'a offert un petit bracelet. Parce que ma mère elle venait pas mal de fois quand je suis pas là. Quand j'étais pas là, elle venait beaucoup de fois à ce magasin. Elle a direct reconnu ma grand-mère. Ça, c'est un truc que j'ai acheté, mais je vous ai pas montré la vidéo parce que, elle avait pas besoin. Donc voilà, c'est juste trop trop beau. Je kiffe. C'est aussi un petit truc bleu ici. Voilà, c'est juste trop mignon. Donc voilà pour le petit truc pour ma mère. Ensuite, pour le porte-clés, porte-monnaie. Donc voilà, là, on peut accrocher à notre sac. Soit comme ça en fait, de cette manière, si vous avez pas... En fait c'est quoi ça? Je viens de me rendre compte maintenant. C'est cool, c'est quoi ça?
que je crois que c'était pour tenir ou je sais pas quoi, donc je vais laisser ça comme ça. Soit c'était parce que vous avez pas encore de trucs comme ça, de ces trucs ronds pour accrocher et vous mettez dans votre sac en fait. Soit j'avais déjà des trucs comme ça, d'autres porte-clés, et puis vous pouvez accrocher avec ça, ça avec ça. Du coup, c'est plus pratique. En fait, il faut juste ouvrir comme ça et vous mettez dans le rond d'un de vos porte-clés dans votre sac. Voilà, après vous mettez comme ça. Il y a pas mal d'espace, donc c'est un petit bout. Il y avait plusieurs couleurs, je crois qu'il y avait 5 couleurs. Ouais, avec celui-là, ça fait 5 couleurs. Il y avait un rouge, il y avait un gris, il y avait un beige, il y avait un noir, il y avait un rouge, je crois que j'ai déjà dit rouge. Il y avait un petit rose comme ça, même si le rose c'est pas ma couleur préférée, ça en dirait un peu saumon. À la caméra on dirait saumon, donc c'est trop mignon. C'est vraiment un petit rose parce que le rouge était trop flashy, le noir je n'aimais pas trop. Et les autres couleurs ça va, j'hésitais à prendre le gris et j'hésitais aussi à prendre le brun clair. En fait c'est pas du beige, c'était du brun clair. Enfin le brun clair c'est du beige, mais c'était plus du brun que du beige. Et du coup bah, il est juste trop cute. Et l'espace qu'il y a dedans c'est pas ouf. Vous pouvez pas mettre autant d'argent que vous voulez, mais ça va, hein. Vous avez pas mal encore d'espace. Donc voilà pour ce petit bout. Et le meilleur que tout le monde attend, le slime. Donc je vais vous montrer maintenant, c'est parti. Et voici le pot de slime. Voilà. Je l'ai un peu testé, mais sinon je l'ai laissé fermer. Du coup, on va le tester plus en détail avec vous. Du coup, en fait, il y avait tous les flamants roses ici. Du coup, je les ai un peu dispersés partout. C'est juste trop beau. En fait, quand on écarte, ça fait un peu comme une espèce de gélatine. Du coup, comme chez les Chinois, c'est pas vraiment du slime, vraiment slime. Mais attendez, je vais vous montrer par le haut. Mais sinon, c'est vraiment de bonne qualité, ça va. C'est pas le meilleur des slimes, mais sinon, j'aime beaucoup. Voilà, en plus, la couleur, j'ai choisi parce que là, ça, il y avait des petits flamants roses. Je kiffais trop. Du coup, c'est pas à cause de la couleur que j'ai choisi. Donc, je préférais même prendre une autre couleur, genre bleu. Mais bon, même blanc. C'était vraiment un blanc transparent magnifique. Et du coup, je vais vous le montrer, c'est parti. Donc, le voilà, c'est vraiment oufissime. Je devrais même faire une partie 3 de mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai juste reçu j'ai reçu un jeu comme ça. En fait, on doit juste mettre une carte. C'est un peu comme qui est-ce. Vous avez un espèce de bandeau autour de la tête. Vous pouvez mettre une carte sur le bandeau et en fait l'autre il doit dessiner pour deviner quelle petite taille c'est. Ça s'appelle des tailles en fait, ces petites peluches. Donc voilà le petit slime. Vraiment super méga bien. Ça se voit que c'est du slime, c'est pas, on dirait, un truc de l'eau ou tout ça. C'est pas juste du shampoing, on va dire. Et là, il va s'enlever super facilement. J'espère. Parce que comme je l'ai déjà sorti deux fois, ou trois, il va s'enlever. Voilà. On dirait pas que c'est beau. En vrai, c'est beaucoup si on le met ensemble. Bon voilà, attendez, je vais juste vous le mettre en hauteur. Mais pas trop. Attendez, j'ai une idée. Pour une fois que tu vas me servir pour une de mes vidéos, toi. Viens là. Ah, je préfère comme ça quand même. En plus, là, on voit un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Je vais mettre le slime plus là-bas. Ça s'accroche vraiment au papier. Vraiment plus trop enlevé. C'est un peu le biais de. Vous savez, quand vous achetez quelque chose, il y a un biais après pour vous assurer que c'est bien ce que vous payez. Mais. Du coup, en fait, j'ai mis le slime par-dessus sans faire exprès. Et du coup, après, ça voulait plus partir. Du coup, c'était vraiment chiant. Heureusement que ma mamie, elle avait pas besoin de ça. Parce que, si vous savez, je suis au Portugal, hein. Voilà. Je suis au Portugal, du coup, j'ai un peu acheté des trucs au Portugal. C'est pour ça que c'est en portugais, le truc de la mère, de la maman. Il y avait des trucs trop, trop mignons. Encore plus mignons que celui-là. C'était pour le jour de la mer, enfin la fête des mères, voilà, c'était pour la fête des mères. Du coup, je voulais pas acheter un truc pour la fête des mères,
Comme c'était pas la fête des mères, en fait. Mais du coup... Voilà. Du coup, c'est juste trop, trop bien. Je kiffe. J'espère qu'on va pouvoir mettre sur un truc plus haut, comme ça, genre... Là, on voit bien. On voit un peu mieux, quand même. Ça va. Dites-moi si vous voyez mieux comme ça ou avant, en commentaire. Moi, je trouve que vous voyez mieux comme ça. C'est juste trop bien. On peut pas l'écarter comme je l'ai dit à mort. Enfin là on peut l'écarter mais genre si on prend un petit bout. Voilà là j'ai arraché mais bon. C'est fait comme ça. Ça fait comme ça vous voyez. Du coup c'est chiant. Mais sinon quand vous prenez un peu plus le slime. Voilà. Ça fait pas le même effet. Ça fait genre, ça écarte plus. Du coup c'est juste trop bien. Si vous mettez genre en boule. En boule. C'est juste trop, 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 trop bien. Je kiffe! Regardez. Ça, c'est comment j'aime ce slime. Ça, c'est comment j'aime le porte-clé. Ça, c'est comment j'aime le cadeau pour ma mère. Voilà, j'aime encore plus le cadeau pour ma mère que les autres choses, hein. Parce que c'est quand même un cadeau pour ma maman, hein. Et puis ma maman, c'est un peu ce qu'on aime le plus au monde, à part les mamans qui vous maltraitent. On n'aime pas. Fini la maltraitance des enfants, des animaux, et puis des adultes aussi, hein, la violence. Envers les adultes. Et si vous faites comme ça, c'est un peu comme une gelée, en fait. Peut-être si vous faites n'importe quoi avec, faites comme ça, n'importe quoi. Je dirais un peu une gelée. Mais si vous faites genre tout doucement un peu. Vous faites comme ça, comme une... Comme si c'était du slime. Bah pour moi, c'est du slime. Ah ! Il y a un petit flamant rose qui est parti. On va le remettre avec ses amis. Je suis une sauveuse d'animaux. Que ça que soit, les animaux. Oui, j'ai beaucoup de bracelets sur moi. J'en ai deux ici. Et j'en ai un ici qui fait beaucoup trop de bruit depuis tout à l'heure. C'est ce que vous entendez. Voilà, je vais pas passer 1000 ans sur ce slime, mais... Et voilà, je kiffe. Je crois qu'on va en arrêter là pour la vidéo. Parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Genre que la vidéo va durer genre entre les 10 et 15 minutes. J'ai envie que ça soit vrai. Donc on va en arrêter là pour ce slime. Et puis peut-être que je vais faire une vidéo que pour ce slime. Si vous voulez, parce que c'est pas super intéressant de voir qu'un slime comme ça. Je dirais, ça fait plus de... On dirait, vous avez vraiment envie de toucher le slime. Mais en vrai, il n'y a que moi qui le touche. Du coup, c'est comme si je me vantais devant le slime. Enfin, avec mon slime devant vous. Du coup, je vais arrêter tout de suite. Et on va terminer cette vidéo. Juste un dernier petit coup. Ok. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. À vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas obligé, mais ça fait quand même plaisir. À commenter cette vidéo parce que les commentaires gentils, ça fait toujours plaisir. En plus, j'aime bien répondre aux commentaires quand je m'ennuie surtout. Et quand j'ai de l'internet parce que là, j'ai pas vraiment d'internet. Enfin, où je suis en train de filmer là. Là, je suis en train de toucher mon slime pendant que je vous arrête la vidéo. C'est pas possible ça. Et n'hésitez pas à la partager pour que d'autres gens likent, pour que d'autres gens commentent, et pour que d'autres gens s'abonnent. Et pour qu'on soit 4 chances sur la chaîne, et pour que je vous montre ma tête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, combien d'abos, tu montes ta tête, je vais faire tout pour que tu montes ta tête, MDR. » Du coup, aux 400 abonnés, partagez cette vidéo avec plein d'autres amis, pour comme ça, ils vont s'abonner, comme ça, je vous montre ma tête. Et du coup, comme elle est super moche, tout le monde va être déçu. Voilà. Après, j'aimerais plein d'abonnés pour rien. Mon jeu, c'est time. Je le kiffe. Donc voilà, gros bisous pour vous. J'espère que ça passe. J'espère que ces vacances, que vos vacances se passent bien. Si dans votre pays où vous êtes, il n'y a pas de vacances en ce moment, je suis vraiment désolée pour vous. Mais je pense que tout le monde là, dans tous les pays, il y a des vacances. Enfin, je pense en tout cas. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Hein. Je dis bien enfin. Donc voilà, bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Bisous, MDR.